Ici, Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous nous trouvons au lycée Louis Barthou. Nous sommes 14 lecteurs, tous hellénistes en hippocampe. Vous pourrez entendre Victoire Martin au violoncelle et Thomas Suot au piano. Dans le cadre du festival européen latin-grec, nous aurons le plaisir de vous lire en français le chant 11 de l'Odyssée dans la traduction de Philippe Jacoté. Ulysse a participé à la guerre de Troie, mais son retour à Ithaque est semé d'embûches. Pendant un an, ses navigations le conduisent notamment chez les lotophages, chez le cyclope Polyphène sur l'île d'Éole, puis chez Circé. Il reste un an chez cette dernière. Quand il décide de repartir, elle lui indique qu'il doit aller consulter l'âme du devin Tirésias aux enfers, afin de savoir ce qui l'attend. Notre chant relate cette nequia, c'est-à-dire ce voyage aux confins des enfers, où il rencontre l'âme de ses proches et de différents héros. Quand on eut tous rejoint le navire et la mer, on tira tout d'abord le navire dans l'eau divine, on déposa le mât et les voiles dans le navire, on chargea le bétail. Puis nous-mêmes enfin embarquâmes, chagrins, pleurant à chaudes larmes. Alors, derrière le navire à la proue bleue, le vent gonfla les voiles, compagnon que nous donnait Circé aux beaux cheveux, la redoutable voix de femme. Quand on eut déposé tous les agrès dans le navire, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Les voiles du bateau claquèrent tout le jour. Le soleil se coucha et l'ombre envahissait les rues. Il parvint aux confins du profond cours de l'océan. Là se trouve la ville et le pays des Cimériens, couverts d'un voile de brouillard. Sur eux, jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons, pas plus quand il gravit les hauteurs du ciel constellé que lorsqu'à son zénith, il se retourne vers la terre. Une funeste nuit s'étend sur ses infortunés. Arrivé là, on fit échouer le bateau. On sortit le bétail. Puis on longea les eaux de l'océan jusqu'à l'endroit dessiné par Circé. Là, Périmède, avec Eurylope, maintint les victimes. Tirant mon épée sur ma cuisse, je fis d'abord un trou d'une coudée carrée. Je répandis autour la libation à tous les morts. D'abord, le lait miellé, ensuite, le vin doux, l'eau en troisième, et dessus, la farine blanche. J'implorai longuement les têtes sans faute de morts, leur promettant, si je rentrais, une génisse, ma plus belle génisse, avec un bûcher lourd d'offrandes, et, réservé au seul Tirésias, un bélier noir, sans tache, le meilleur de tout le troupeau.